Yo tout le monde les gars, c'est Serka pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau jeu qui s'appelle Shoot Goal. Je vous présente ce jeu qui sera normalement dans la description de la vidéo. Donc je vais vous présenter un peu le jeu. Je vais vous faire un petit exemple. Je vais prendre un niveau, comme ça je paye rien. Niveau 78, où est-il? Non, je vais prendre niveau 24 parce qu'il est facile. Faut aller tout au début, donc c'est un peu relou. Il est là, niveau 24. C'est parti. Donc le but, c'est de mettre des beaux cajoux, des beaux buts, comme celui-là, pour gagner plein de points. Tu mets un tir dans la lunette, tu mets un but dans la lunette, tu gagnes 100 points. Tu mets sur le côté, tu gagnes 50 points à la moitié, donc c'est logique. Le plus beau remporte plus de points. Là j'ai tiré comme... C'est parti. Là je vais mettre un beau. Magnifique. Donc voilà, ce qui est bien sur ce jeu, c'est qu'on peut diriger la balle. Moi, quand la première fois que j'ai téléchargé ce jeu, la dernière fois que j'ai testé ce jeu, j'avais rien compris à ce jeu. Je faisais que tirer tout droit, je faisais comme ça. Je comprenais rien au jeu. Maintenant, j'ai compris que il faut rester appuyé sur le ballon pour diriger la balle. Donc voilà. Donc évidemment, y a beaucoup de pubs. Hein, donc, ça, c'est relou. Et on peut jouer en ligne si vous voulez, on va tester. Enfin, je vais tester pour vous. Non, je vais pas faire niveau 107. Je vais tester pour vous. Avant ça, je vais vous présenter ce qu'on peut avoir. On peut changer de personnage, donc on peut avoir tout ça. Donc voilà. J'avais lequel, j'ai celui-là. On peut même changer les maillots. Made Italy. Il y a tout ça. Et même le mec du Barça, mais 60 000 je peux l'acheter, mais je vais pas le faire. On peut même changer de chaussures. Il y a tout un planopli de belles chaussures. Ouais, il y a plein de ballons. Voilà, donc je vous ai fait le tour de tous les ballons. On va jouer en ligne si vous le voulez bien. Comme ça, je vais vous montrer comment ça se passe en ligne, en mode online. Donc voilà, le temps que je trouve un adversaire, ça va être trop long. Non, c'est bon, je l'ai trouvé. Et ben je connais pas le drapeau. Je ne connais pas le drapeau de ce pays, je ne connais pas. C'est parti, donc là c'est à moi. Je vais de mettre une lourde en... Non, j'ai touché le poteau. Donc là c'est au tour de l'adversaire. J'espère qu'il va rater, il va pas la mettre. Je pense qu'il va le rater. Sur la barre. À moi. Parfait. Pleine lucarne, lunette. Je gagne 100 points comme vous le voyez là-haut. Parti. C'est autour de l'adversaire. Oh, il a totalement déchiré sa frappe. Là, c'est à moi. Je tire. Oh, sur la barre. Là, je suis en train de me taper des barres. C'est parti. J'espère qu'il va louper. Sur la barre aussi, bon il l'a raté. Ah non, j'ai fait trop. J'ai fait trop à droite là. C'est parti, il va louper. Elle l'a raté, tant mieux. C'est à moi, je suis obligé de la mettre. Oui, 50 points, mais j'aurais préféré mettre 100 points. Allez, tire une bonne fois pour toutes. Ouais, il l'a mis. Bien joué. Ah non, j'ai pas assez bien roulé. C'est assez dommage. Allez. Ah, égalité. Ah non, j'ai gagné les gars. Donc vous avez vu le principe. Vous avez vu le principe, comment ça marche en online. Vous avez plusieurs compétitions à 30 000. Vous gagnez plus si vous gagnez le défi contre une personne dans le monde entier. Bon là les pubs, hein. C'est chiant les pubs.
très chiant. Donc voilà, vous avez ça à 5000 et la dernière. On dirait le ballon d'or. Celui-là, c'est là. Cette coupe, on dirait le trophée de la première ligue. On dirait vachement, je crois que c'est. Et celle-là, c'est la Ligue des Champions. La première ligue et le ballon d'or. Donc c'est chelou hein, comme. Un truc. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine.